Hey, salut à tous, c'est Alex Retrogamer 101, point d'interrogation. Hey, salut à tous, c'est Alex Retrogamer 101, point d'interrogation, cool et autres. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft Pocket Edition pour l'hashtag 3, l'hashtag 3 ou 4 de Minecraft. Cette fois-ci, on va faire de l'élevage. Alors nous avons miné, nous avons fait des plantations. Vous voyez juste ici. Et aujourd'hui, nous allons passer à l'élevage. Alors, qu'est-ce que c'est l'élevage? Dans Minecraft, il y a plusieurs façons d'élever. Pour pouvoir élever, on aura besoin de trouver des graines. Parce que nous allons enlever des personnages avec des graines. Donc, je cherche un endroit où il y a des plantations pour faire des graines. Il me faudra aussi du bois pour pouvoir créer les enclos. Et nous allons élever des choses. Alors, dans Minecraft, on peut élever plusieurs animaux. Des poules. Énormément de choses. Donc là, dans cette série, nous allons élever. Donc il nous faut des graines, parce que c'est le truc de base. Donc je casse plein de trucs pour trouver des graines. Une graine. D'ailleurs, je vais pas prendre tout de suite. Il faudra plusieurs graines pour en élever. C'est pour les amener, en fait, jusqu'à l'enclos. Parce que c'est important de savoir s'en servir. Tant qu'on est là, on va voir si on peut se récupérer un peu de bois. Attendez. Je vais manger un bout. Hop, on va essayer d'en apprécier un petit peu pour les faire mieux dans mon enclos. Je vais casser un peu de bois. Je sais pas si j'en ai. J'utilise ce que j'ai sous la main pour taper. Un petit peu de bois quand même. 4, ouais, on va essayer d'en choper 5 de graines. Donc comme j'ai dit, c'est vraiment super. Comme j'ai dit, pour faire ça, il faut juste simplement du bois pour pouvoir faire des enclos. Vous pouvez mettre une porte, faire un enclos grand ou petit. Nous, on va faire un enclos moyen-grand. En fait, entre petit et moyen. Parce qu'on va pas mettre beaucoup de trucs. Hein, pas prendre beaucoup d'animaux. 3-4, c'est suffisant. Voilà, c'est suffisant pour le moment. J'ai cassé un peu pour ces gens et d'autres. Il n'y en a pas. Je vais pas casser celle-là. Voilà. On va tourner à notre endroit. On va se créer du bois. Je casse un petit peu. Quand je retrouverai plusieurs. Voilà, je pense que ça suffira. 9, ça suffira. Bon, c'est quand même comme... Ce qui est bien, c'est que je suis proche de l'eau, je suis proche des mines, je suis proche des montagnes, et c'est ce que j'aime. Démarrer proche des montagnes, des mines. Et de l'eau. Je ferme ma porte. Alors, on va faire un peu de comme ça. Voilà. On va faire un petit enclos. Pourquoi pas un petit enclos ici?
Évitez de tomber. Je mets un petit peu de ça, voilà. Ensuite, on a juste à activer les graines. Regardez. Là, elle me suit. On a juste à nourrir. Voilà, il faut en chercher d'autres pour les amener. On va regarder si là-bas, il y en a d'autres qui sont intéressés par la graine. Qui est intéressé par les graines? Toi, t'es intéressé. Allez, viens. Suis-moi. Suivez-moi. Si vous êtes intéressé. Toujours. Moi, j'attends toujours un petit peu pour qu'ils me suivent bien. Ils ont un bon écart qui me suit. Là, c'est mes plantations. Je les ai pas encore déplantées, bien sûr, pour avoir du blé. Je les laisse comme ça. Ça fait une petite déco. Après, je sais plus, mais j'ai mis ça dans une pub ou je sais plus où. Qu'il y avait un... Je me souviens plus quel moyen c'est pour faire pousser des blés énormes de très haut. Je sais plus comment on fait. Allez, venez. Viens. Bah, tu viens pas. Venez. Non, ils ont échappé dans un clos. Allez, rentrez tous. Voilà. On peut nourrir le petit. Donc là, j'ai plus de graines pour le moment. Et voilà, ils ont automatiquement produit un œuf. Cool. 3 œufs. Voilà, donc... pour élever, je vais récupérer l'œuf d'ailleurs. Voilà, donc nous avons élevé, nous avons eu un petit. Donc c'est vraiment génial, on peut faire plein de trucs comme ça. D'ailleurs, il y a du mouton à côté, je vais le tuer. J'aime bien avoir le mouton. Non, on ne meurt pas. Désolé. J'en ai tué un, mais c'est juste qu'elle voulait partir. Donc là, ça va être la tombée de la nuit, je vais dormir et on se retrouve le lendemain matin. Déjà, il y a un squelette. J'aime pas du tout ça. J'ai dit ça, mais c'est pour rire. Un squelette, j'arrive à les mettre KO, mais bon. Flemme de mettre KO des squelettes, blablabla. On se réveille le matin. Donc, moi, pour élever, je dis, bah, ça, je peux élever plein de poules. Donc là, nous avons dormi. Alors, juste pour vous présenter, j'ai aménagé la maison. C'est un petit tour rapide en plus. Non, mais... Voilà, donc j'ai aménagé. De la manière, je vous présente mon aménagement. Voilà, donc j'ai aménagé, j'ai fait un petit aménagement sous sol. Vraiment classe. Je pouvais pas trop creuser profond parce que sinon après il y avait une mine qui est tombée sur une mine. Voilà, donc j'ai fait ça. C'était hors sujet, mais c'était pour vous présenter. Donc on retourne pour nos petits animaux. Donc, nous avons élevé, aujourd'hui dans la vidéo, nous avons élevé des poules. Donc il y a plusieurs techniques d'élevage, on peut élever des poules. Alors pour élever des poules, il faut des graines. Pour élever des vaches, il faut du blé. Mais les vaches, en fait, quand on les tue, ça donne ça normalement. Ça là, le cuir. Et le cuir sert les protections de base. Alors moi, ce que j'adore avec le cuir, c'est créer des protections de cuir. Mettre de la couleur, les mettre en décoration sur un bustier. J'adore faire ça. Surtout la couleur vert, c'est ma préférée dans Minecraft. J'adore le vert, le bleu. Je trouve que c'est pas mal. Oh, il pleut. Voilà. Ouais. Je sais pas, je mets des petits pylônes comme ça.
Je mets des petits pilonnins. Ça fait la petite décoration comme ça. Je termine mes pylônes. Désolé de t'avoir touché, poule. Je te renouerai. S'il le faut un jour. Pourquoi j'ai revenu celle-là? Quoi dire de plus? Ah oui. Oh non, le petit s'est échappé. Ah! Pas grave qu'il s'est échappé. Je vais le remettre dedans, mais j'ai pas de graines. Mince. Ah, revenez dedans, non mais. Bon, il ne reste plus que le petit parce que là j'ai fait une erreur. Donc voilà, donc c'était l'élevage. Donc je vais reprendre les poules, vous inquiétez pas. Je vais voir. On fera aussi les. Alors pour le blé, comment ça marche? Alors pour le blé, il faut déjà du blé. On va voir si le blé est prêt. Oui. Donc pour le blé, vous prenez une touffe de blé. Vous allez à un endroit où il y a des animaux. Et regardez. Le blé, ça attire certains animaux. Alors, ce qui attire les chevaux, c'est les carottes. Qu'est-ce que ça attire le blé déjà? Les vaches, en l'occurrence. Est-ce que ça attire les moutons? Je me souviens. Si, ça attire les moutons, je crois, non? Attends, je vais voir. Ouais, ça attire les moutons. Donc, on va mettre les moutons aussi dans l'enclos. Ça les attire. Allez, dépêche-toi. Suis-moi, petit mouton. C'est juste pour le mettre dans l'enclos, hein. Je vais pas le nourrir. Qu'ils soient en compagnie de la petite poule. C'est bon, t'es dedans? Si on va le nourrir quand même. Non. Voilà, hop, c'est bon, nous avons laissé le mouton là. Voilà, donc nous avons élevé un mouton. Après, on fait la même chose, on peut faire la même chose pour les vaches, les poules. Après, si on est assez fort, on peut faire plusieurs couleurs de mouton. Je peux teindre la couleur du mouton, je peux le teindre jaune. Colorant jaune. On va le mettre colorant jaune. Voilà. Je me suis fait un mouton colorant jaune. Génial, hein? Alors, les colorants, après, quand on le tue, on obtient la laine jaune, par exemple. Voilà, donc, c'était une vidéo. Voilà, c'était. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à la liker, à partager, à t'abonner. Voilà, c'était une vidéo sur l'élevage. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Dans la prochaine vidéo, ça sera cette fois-ci sur encore l'élevage. Oui, encore l'élevage. Mais cette fois-ci, on va essayer de s'occuper d'un élevage différent, d'un élevage de chevaux. Donc pour cela, il me faudra des carottes. Mais, enfin, pas l'élevage concernant les chevaux, mais les chevaux, quoi. À quoi ça sert? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à la liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à plus pour notre prochaine vidéo. Ciao! Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Alexis Retro Gamer.